بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أعدائي عدواتي mes ennemis, mes frères et sœurs, mes fils et mes filles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous aime tous en Allah, ne l'oubliez pas. Mes frères et sœurs non musulmans, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de rencontrer l'islam, qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Je vous aime, j'ai beaucoup d'affection pour vous. Et j'aimerais bien vous dire un jour, je t'aime en Allah, mon frère musulman. Qu'Allah nous accorde la guidée. Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande dans le cadre de notre foi, dans le cadre de notre religion, dans le cadre du lien que nous avons envers lui, avec lui, de répéter au moins 17 fois par jour ce qu'on appelle Surat al-Fatiha. Dans le cadre de nos prières obligatoires, le musulman doit répéter 17 fois par jour al-Fatiha. Et nous avons rendez-vous avec Ihdina al-Sirat al-Mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Ça veut dire, Allah nous demande, en tant que musulmans, nous demande quoi ? Nous demande de répéter cette parole. Ihdina al-Sirat al-Mustaqim. Donc guide-nous vers ou dans le droit chemin. C'est 17 fois par jour, ne l'oublie pas. Donc il n'y a pas de hasard. Pourquoi il n'a pas demandé une seule fois par jour, une seule fois par mois, une seule fois par semaine? Nous avons besoin, Allah a vu, Allah a su, nous avons besoin de répéter cette parole plusieurs fois dans le cadre du pilier de l'islam, le deuxième pilier de l'islam qui est la prière. Le pilier de l'islam, la prière, son pilier, il Fatiha. Parmi ces piliers, il y a le Fatiha. Donc, Ihdina al-Sirat al-Mustaqim. Donc, tu répètes et tu dis au moins 17 fois par jour, sans compter les fois où tu vas le dire dans les prières surrogatoires. Ihdina al-Sirat al-Mustaqim. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider. C'est que tu as besoin de la guider d'Allah. Tu lui demandes ça parce que tu as besoin de la guider d'Allah. Pourquoi alors tu te prends pour celui qui détient la guidée d'Allah entre ses mains? Pourquoi tu te prends pour celui qui est le seul sur terre qui a connu la guidée d'Allah? Est-ce que tu peux être sûr que tu as atteint la guidée d'Allah? Ihdina al-Sirat al-Mustaqim. Est-ce que tu es sûr et certain que tu es dans le droit chemin? Est-ce que tu as fait le nécessaire pour être dans le droit chemin? Est-ce que quand tu fais cette invocation dans le cadre du pilier du deuxième pilier de l'islam, est-ce que tu le dis avec ta bouche ou est-ce que tu le dis vraiment avec ton âme et avec ton esprit et avec chaque cellule de ton corps? Est-ce que tu es sincère quand tu le dis? Est-ce que tu te rends compte quand tu le dis, ou tu dis Allahu Akbar, et tu ne sais même pas souvent, est-ce que tu as dit le Fatiha ou pas? Est-ce que tu étais concentré pendant le Fatiha ou pas? Ihdina al-Sirat al-Mustaqim. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider dans le droit chemin, vers le droit chemin. Al-Sirat al-Mustaqim. Al-Sirat de la foi. Al-Sirat de l'islam. Le chemin de l'islam, le chemin de la foi, le chemin de l'ihsan, le chemin de la piété révérentielle, le chemin d'un lien puissant avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala 17 fois par jour de te guider dans le chemin mustaqim, le chemin droit, est-ce que juste après ta prière, tu le vérifies? Est-ce que tu vérifies ce lien avec ce verset? Est-ce que tu penses que tu l'as fait sincèrement? Est-ce que tu as eu les conditions nécessaires qui font que Allah va exaucer cette invocation? Ou est-ce que tu le demandes sans âme, sans esprit? Est-ce que en le demandant, tu fais le nécessaire pour commencer à le mériter? Maintenant, vérifie s'il te plaît. Tu verras que tu pries même pas parfois. Quand tu pries, tu répètes des choses bêtement. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de méditation, il n'y a pas de contemplation, il n'y a pas de sincérité souvent, subhanallah. D'accord? Donc, ihdina as-sirat al-mustaqim. Tu oses demander à Allah subhanahu wa ta'ala as-sirat al-mustaqim, alors qu'au même temps, tu es très loin de as-sirat al-mustaqim. Tu ne veux pas souvent as-sirat al-mustaqim. Tu ne te rends pas compte de ce qu'il faut pour entamer ton cheminement vers ce sirat droit, dans ce chemin droit. Est-ce que tu comprends ce que j'essaye de te dire? Est-ce que tu commences vraiment à analyser ce que j'essaye de te dire? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Est-ce que tu t'es pas rendu compte que tu ne dis pas ihdini as-sirat al-mustaqim? Est-ce que tu as déjà remarqué que tu ne dis pas ihdini as-sirat al-mustaqim? Tu ne demandes pas à Allah de te guider toi, ihdina nahnu. Tu demandes à Allah de nous guider nous. Tu le fais en pluriel, en utilisant le pluriel. Ihdina nous, guide-nous. Est-ce que tu t'es pas rendu compte que dans le cadre d'une prière où tu es seul avec Allah, normalement, et tu adresses la parole à Allah subhanahu wa ta'ala, tu le fais avec nous, ihdina. Tu es dans une collectivité individuellement. Tu es dans une collectivité. Ton déploiement est un déploiement individuel, na'am, mais il est aussi ihdina nahnu. Avec les musulmans, dans un seul corps, loin des divisions, loin des haines, loin des doutes, loin des conjectures, loin des polémiques stériles et fades, loin des querelles, tu es dans un corps qui se dresse individuellement pour demander à lui, à titre individuel et à titre collectif, as-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim. Comment tu oses demander à Allah subhanahu wa ta'ala, as-sirat, il est identifié. Il n'a pas dit as-sirat al-mustaqim. Il a dit as-sirat, il est identifié. Al-mustaqim. Identifié son na'at, sa description. Il est droit, ce sirat. Comment, subhanallah, les musulmans aujourd'hui connaissent une infinité de chemins. Chacun adopte une infinité de chemins. Ils sont tellement loin dans des chemins divers et variés, dans des divergences diverses et variées. Et ils osent dire à Allah individuellement et collectivement, ihdina as-sirat al-mustaqim. Il est unique ce sirat. Ce chemin-là, il est unique. Al-mustaqim. Il est infini, na'am. Il comporte une infinité de bonnes choses, na'am. Mais nous tous, individuellement et collectivement, nous devons essayer de l'entamer. Puisque nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala au moins 17 fois par jour, et c'est lui qui nous a recommandé de faire ça. Et notre prière ne vaut rien si elle ne connaît pas le Fatiha, dans laquelle on répète ces versets. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Est-ce que ya akhi, est-ce que ya orti, tu as déjà médité sur les trésors infinis de chaque verset de cette Fatiha qu'Allah t'a demandé, t'a recommandé, t'a ordonné de répéter 17 fois par jour, minimum parce que tu en as besoin. Parce qu'à chaque fois, tu dois donner rendez-vous au verset pour méditer dessus, pour qu'il t'aide à t'élever, pour qu'il t'aide à cheminer, à avancer vers
La'allakum tattaqoun, la piété révérentielle, vers l'ihsan, vers la foi, vers le chemin droit. Médite, s'il te plaît. Commence à contempler. Commence à méditer. Commence à te remettre en cause, s'il te plaît. Commence à remettre en cause ta répétition, souvent bête et vide, malheureuse, de ces versets. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.